dit, même lui, non, mais il a de l'humour, Hollande. Hein. Il a dit, oui, ma popularité est au zénith. Oui, 98% satisfait. 98%. C'est un sondage qui a été effectué au Mali. Et autre bonne nouvelle, j'ai entendu la météo tout à l'heure, c'est génial. Le printemps aura lieu le 21 juin. Et elle était Ségolène, Ségolène. Qui voulait prendre la tête du pays? C'était courageux. Déjà qu'elle a vu toute la sienne. Ben vous vous souvenez, à La Rochelle, dans ses meetings, elle portait le gilet jaune fluo qu'on voit dans toutes les voitures. Comme ça, tout le monde pouvait dire, ah ben, enfin, réfléchis. Mais Nicolas Hulot avait raison de dire que si la couche d'ozone était aussi épaisse que celle que détient Ségolène, la Terre serait pas prête de se réchauffer. Mais Ségolène, c'est le principe d'Archimède. Puis on l'enfonce, puis elle rejaillit. Allez, l'Irak, tiens. En Irak, les voleurs sont amputés et marqués au fer rouge. En France, ils sont députés et marqués sur une liste électorale. C'est la seule promesse qu'il a vraiment tenue. Il ne pouvait pas reculer, il y avait les homos derrière. Avant même d'être élu, il faut dire que Eva Jolie. Jolie, mais rien que son nom est une publicité mensongère. Mais quelle reconnaissance! Comme quoi, un ancien gros restera toujours un gras. C'est vrai. Voilà un homme qui a déboursé, si je puis dire, 1,5 million de dollars. Vous vous rendez compte? Un affiche à tout Diallo. Quand je pense que nous, pour gagner l'euro million, il faut minimum 5 boules. Elle avec 2 boules. La retraite est à quel âge là-bas en Allemagne? Tout petit peu moins. 67, bravo. En Suède, 67 ans. En Suisse, 65 ans. Au Vatican, 85 ans. Incroyable. C'est fou, regardez, un truc pénible. Mon meilleur copain qui m'appelle ce matin, il a appris que sa femme attendait un enfant qui était près de lui. Il m'a dit, ma femme, elle est comme ma feuille d'impôt. Elle est pré-remplie. On en a 3. Enfin, en vie. Bon, le Giscard, on l'avait il y a peu de temps, dit-on. Il bouge encore. Oh non, pauvre bête, il souffre, faudrait le piquer. Avec ses gésiers sous les yeux, on tombe. Oh, tu livres, c'est incroyable. Alors, on a notre avant-dernier président, notre Chirac, vous l'avez vu récemment? Oh, dites, on dirait lapin du Racel avec un enfant. Il y a quand même une logique dans nos présidents successifs. Rappelez-vous, Jacques Chirac nous avait proposé des pommes. Bon, Sarko nous a eu jusqu'au trognon, et bien normal qu'avec Hollande, il reste que les pépins. Chirac. Que vous dites-vous, regardant côte à côte, monsieur Copé, Fillon et Sarkozy. Bon, Nicolas, monsieur Hollande, comment vous présentez-vous à Barack Obama? C'est moi le cowboy, ton merveilleux. Et vous, Ségolène, comment vous définissez-vous?